Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey Allah, hey Dieu, même l'homme qui est dans la peine actuellement là, vous voulez l'obliger à parler. Même dans mon deuil là, pour ne pas dire dans mes deuils, c'est deux deuils. J'ai enterré une mémé hier. Et comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai ma tante qui me coûtait très cher, très cher, qui s'en est allée aussi brusquement sans être malade. Bref, c'est pas ça. Mais malgré ça là, vous avez bien remarqué qu'à cause de ça, je ne suis pas très actif ici. Maintenant, quand vous êtes en train de parler de cette histoire de il y a quelqu'un qui a cité le nom des grands joueurs ivoiriens et puis il n'a pas cité Didier Drogba là, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi de vos amants? Vous cherchez quoi? Parce que souvent, il y a l'impression que vous aussi, les internautes, vous donnez trop de la contenance à certaines personnes. Ah! Donc jusque-là, vous n'avez pas encore compris que il y a des personnes avec qui Drogba a joué là, qui sont simplement jalouse de Drogba simplement parce que le charisme, l'aura qu'il a là, ils comprennent pas pourquoi ils n'ont pas ça aussi. Et puis quelqu'un comme ça va venir dire voici, il cite pas le nom de Drogba, vous prenez ça pour faire scandale, vous prenez ça pour faire buzz, pourquoi? De vos amants, pourquoi? Respectez un peu Didier Drogba. En fait, il y a un truc que vous devez comprendre, hein. Il y a des gens qui sont devenus maires, qui ont été footballeurs internationaux, mais sans pour autant les offenser, hein. Mais ces personnes n'arrivent même pas à la cheville. Je dis bien à la cheville de Didier Drogba. Nous qui sommes à la fuite de l'information, là, nous qui suivons Didier Drogba, là, on sait qui est Didier Drogba. La seule chose qui n'est pas là, c'est qu'il n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, je vous dis ça aujourd'hui. Je mets quiconque au défi en Côte d'Ivoire ici, là, pour le respect que j'ai pour le président Alassane Ouattara, je l'écarte. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus influent que Didier Drogba. Ça n'existe pas. Même le grand Jagger, artiste interplanétaire, il n'a plus rien à prouver dans la musique, surtout dans le reggae. Mais lui-même, tu vas lui demander, il va dire, je suis Jagger, je suis une légende de la musique africaine, même pour ne pas dire ivoirienne. Mais Drogba, là, c'est autre chose. Donc, si un individu lambda, qui est simplement jaloux, aigri de la légende de Drogba, sort un truc pour vous faire parler, est-ce que vous êtes obligé de venir répondre? Est-ce que vous êtes obligé de crier au scandale? Parce que quand c'est comme ça, là, moi personnellement, ça m'énerve. Pour cette petite seconde-là seulement, là, pour ce petit temps-là, j'oublie mes deuils, là, parce que ça me fatigue. Attends, excusez-moi. Lui, c'est qui? Vous ne voyez pas que c'est simplement de la jalousie? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est pas parce que, en fait, les gens pensent que c'est parce qu'on ne sait pas ce qui fait qu'ils sont aigris de Didier Drogba. Bref, je vais vous expliquer ça. Je vais casser un papeau pour vous expliquer ça. Vous vous rappelez de la finale contre le Zambie? Vous n'avez pas dit la Zambie, ouais, c'est ça la Zambie. Est-ce que vous vous rappelez de cette finale-là? Parce que de sous-sûr, écoutez-moi bien, de sous-sûr, normalement Didier Drogba, notre légende, ne devait pas tirer ce pénalty-là. C'était Yaya Touré qui devait tirer ce pénalty-là. Mais c'est vrai, il a raté le pénalty. Parce qu'il voulait s'entêter à tirer le pénalty. Didier Drogba, ce n'est pas un saint. Hein? C'est un homme comme vous et moi. Il arrive, il peut faire des erreurs. Écoutez-moi bien. Notre finale contre la Zambie, là, normalement, on devait gagner la finale. Mais comme notre légende Didier Drogba voulait tirer à tout prix ce pénalty-là, au détriment de Yaya Touré, parce que, avant le match, les cadres de l'équipe avaient décidé que s'il y avait un pénalty, comme Drogba a trop de pression, comme Drogba est trop aimé par les Ivoiriens, s'il rate un pénalty, ça ne sera pas bon pour lui. Ça, il faut reconnaître, si ce fut une bonne décision, ils ont bien réfléchi ce coup-là. Mais vous connaissez, vous êtes dans l'euphorie d'une finale. Vous êtes Didier Drogba. Vous avez tellement envie de faire plaisir à votre nation, à votre pays. Vous avez tellement envie de lui rapporter une coupe. Pénalty. Le pénalty que Yaya Touré devait tirer. Puisqu'il est le leader, le chef. Pour ne pas dire qu'il était le chef des éléphants dans le temps, il a décidé de tirer. Et contre les grés, ses coéquipiers ont accepté, écoutez-moi bien, hein, qu'il tire ce pénalty-là. Malheureusement, pour Didier Drogba, il a raté ce pénalty-là. Écrivez pour garder quelque part. À part ça, là, il n'y a rien eu en Didier Drogba et ses cadres-là. Du genre, c'est la faute de Didier Drogba aujourd'hui s'ils ne sont pas champions d'Afrique. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que vous écoutez bien ce que je suis en train de dire? Sur ceux-là, ils ne sont pas champions d'Afrique là. C'est à cause de Didier Drogba.
Donc ils ont cette haine, ils ont cette rancœur là vis-à-vis de la personne de Didier Drogba. Ça là, ça se passe dans toutes les équipes de football du monde entier, en club comme en national. Est-ce une raison pour détester quelqu'un comme ça à vie? Sinon, à part ça là, je mets quiconque défi. Il n'y a aucune histoire, écoutez-moi bien, hein, il n'y a aucune histoire qui fait que ces joueurs-là, précisément celui-là, détestent autant Didier Drogba. Monsieur Kalou Bonaventure, ce que vous venez de faire il y a quelques jours sur NCI, là, on appelle ça simplement de la lâcheté. Tu peux ne pas être d'accord avec Didier Drogba. Tu peux même le détester. Mais je pense que quand tu es un homme juste, intègre et honnête, quand tu es en train de citer les meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire, même du continent, que tu ne cites pas Didier Drogba, on sait que tu as un problème personnel avec ce dernier-là. Mais rassure-toi, cher aîné, rassure-toi. Jusqu'à ta mort, tu ne seras jamais Didier Drogba. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Tu es meilleur aujourd'hui. Il a de 20 voix, je crois. Ancien international, tu n'as pas faim. Tu es peut-être millionnaire ou milliardaire. En tout cas, tu as l'argent. Mais en plus de ça, là, Drogba, il a quelque chose de très spécial qui engloutit et ta fortune et ton titre. Si vous, anciens internationaux, vous ne pouvez pas comprendre que Didier Drogba, c'est comme le fétiche de la nation ivoirienne, vous aurez toujours des Ivoiriens sur votre chemin. On ne va pas vous insulter, on ne va pas vous brutaliser, mais on va vous dire la vérité. Vous ne serez jamais Didier Drogba. Et les endroits où Didier Drogba foule le pied, jusqu'à votre mort, vous n'allez jamais rentrer là-bas. C'est lui seul, il officie deux ou trois fois le ballon d'or. Vous pensez que c'est votre camarade? Devant toutes les légendes choses mondiales, là. C'est lui, on sollicite. C'est pas lui qui force, on sollicite. Parce que l'aura qu'il a là, c'est fort. Même les blancs ne comprennent pas. Si vous ne savez pas qui est Didier Drogba, ou bien si vous savez, vous faites semblant. En tout cas, Dieu vous voit. Le seul problème de Drogba, c'est qu'il a une mentalité trop occidentale en fait. Je vous explique. Drogba pouvait être le président de la FIFA. Hein. Mais le seul problème, c'est qu'il est confronté à deux problèmes. Le premier problème, c'est que tous les présidents du club et les associations sportives sont à la merci des grands dirigeants de ce football ivoirien-là. Mettez ça dans votre tête, en fait. Donc, c'est vrai, souvent, quand ils disent que si on est trop fâché, on n'a qu'à créer nos clubs et puis on va avoir des pouvoirs de décision. Là. Ils n'ont pas menti. La seule chose qui peut arranger Drogba, c'est de changer les textes. Bref, on n'est pas encore arrivé à là. Le deuxième problème, c'est que Drogba n'est pas parfait. Il peut faire des erreurs. Donc, vous voyez, s'il y a des grands du football qui l'approchent pour dire « Petit, on veut te présenter comme candidat de la FIFA » et que Drogba, dans sa tête whitey, dans sa tête occidentale, il s'est dit « Non, moi, je vais aller de moi-même. » Ils vont toujours prendre ça en mal.